Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. C'est reparti pour une épopée du Tour des Communes. J'ai repris ma bicyclette et malgré le mauvais temps et la pluie, ça ne m'a pas empêché de faire quelques kilomètres et de me rendre du côté de Montillé. Je suis allé frapper aux portes de la société Groslot. Son président est à côté de moi. Il s'agit de Laurent Marbac. Il est là avec moi pendant une dizaine de minutes. On est là pour parler de la société, de son passé, de son présent et de son futur. Je rappelle que la société est spécialisée dans la conception d'armoires urbaines. Mais on va détailler tout ça, bien évidemment, dans les minutes qui vont suivre. Merci infiniment de me recevoir. Je sais que votre emploi du temps est chargé, donc merci infiniment. Il est l'heure d'ouvrir les livres d'histoire. Chers téléspectateurs, vous connaissez la chanson dans cette émission. Là, il faut remonter 70 ans en arrière. Oui, à peu bonjour, près. Bonjour Frédéric. Oui, l'histoire de Groslot, c'est 70 ans en arrière. Tout d'abord, on était sur le bassin d'Angers. Et puis, quand l'entreprise a grandi, on est venu en 78 sur la commune de Montillé, sur le métier historique, qui est la fabrication d'armoires urbaines pour les villes. Il n'y avait pas de site déjà à Montillé, non, à la base. Non, c'était non, uniquement Angers. C'est absolument une création sur le site de Groslot. Et pourquoi être venu ici, alors? C'était les opportunités. C'était l'opportunité. Et en fait, Monsieur Groslot, parce qu'en fait, Groslot, c'est une entreprise familiale, avait un petit pied à terre ici. Et quand il a voulu grandir, eh ben, effectivement, il est venu s'installer sur le site de Montillé, qui a grandi au fil du temps en fonction de la croissance et des besoins du marché. Vous, personnellement, Laurent Marbac, vous avez un lien de parenté avec la famille Groslot ou rien à voir? Aucun. Moi, je suis arrivé en 2006, à un moment où il fallait changer d'actionnaire et j'ai repris avec un actionnaire l'entreprise Groslot. Donc en 2006, juste avant, est-ce qu'on peut connaître les grandes étapes, comment l'entreprise elle a évolué? Alors, au fil des décennies. Depuis très longtemps, le métier historique, c'est la fabrication d'armoires pour tout ce qui est éclairage public et signalisation. Et puis, il y a eu le boom des télécoms dans les années 2000, où effectivement, on s'est mis à faire ce qu'on appelle les armoires d'extérieur pour le métier du GSM. Et on a pris une autre dimension. Oui, c'est un nouveau marché, là. C'est un nouveau marché, le télécom, absolument. Voilà. Mais vous avez gardé... On a toujours gardé le métier historique des activités urbaines qu'on distribue dans toute la France. Donc en 2006, vous arrivez, c'est là que vous rentrez un petit peu dans l'histoire. Voilà, c'est là où je rentre dans le capital. Dans le capital. Groslot, c'était la fin du marché télécom. Et Groslot a cherché à se diversifier sur d'autres activités. Et on a introduit des clients comme STX, comme les Orange, donc comme 2000, Sanef. 2006, c'était un carrefour pour l'histoire de la société. Absolument. On a commencé à trouver vraiment une volonté plus agressive en termes de bureau d'études, en termes de commercial, pour avoir une dimension, je dirais, plus énergie et moins armoire de base, en montant en puissance dans tout ce qui est valeur ajoutée que l'on peut rendre aux clients. Alors de 2006, de votre arrivée en gros à 14 ans plus tard, et oui, nous sommes déjà en 2020, si on faisait un petit portrait actuel, un état des lieux. Alors déjà, ma première question, c'est la conjoncture. Est-ce qu'elle est favorable aujourd'hui? Alors, la conjoncture est très favorable, Frédéric, liée au plan numérique qui a été déployé avec la fibre, où maintenant, tout le monde veut avoir le haut débit. Et donc, effectivement, on implante depuis 4-5 ans des armoires partout en France pour la partie fibre optique. Entre-temps, il y a eu le marché aussi des bandes de recharge, sur lesquelles on s'est développé. On est un acteur très présent sur le maillage national des bandes de recharge pour les véhicules électriques. Donc on est effectivement sur des marchés très porteurs actuellement. Au total, parce que j'avais un petit peu étudié ma leçon, 4 segments aujourd'hui en 2020. Absolument. On retrouve le segment historique, qui est le segment urbain. Il y a ce qui fait à peu près 20% du chiffre d'affaires. On retrouve le segment télécom, qu'on a démarré il y a 20 ans finalement, qui fait la moitié du chiffre d'affaires. Le secteur d'énergie verte, tout ce qui est bande de recharge. Ça représente combien ça? Suivant les 10, années, c'est 10-15%. Et après, il y a peut-être une propension peut-être à grandir. Alors, c'est absolument, ça c'est j'imagine. Par tout ce qu'on voit avec le Dieselgate, demain en principe, ça devrait un marché explosé sur lequel on est présent avec tous les constructeurs.
Et puis le dernier segment, c'est la partie industrie, où on fait des bornes de péage et on fait aussi des portes de bateaux pour STX. Bornes de péage, une petite illustration derrière nous, si je ne me trompe pas. Absolument. Donc là, c'est un produit que l'on voit surtout dans le nord de la France. Il est jaune, il est assez caractéristique. C'est parti rendu péage, rendu monnaie, et ça paraît très simple. Et on ne voit pas quand on est en voiture l'ampleur, la dimension de la cabine et l'ampleur de ce qu'il y a à l'intérieur. Mais c'est un vrai bijou technologique de ce qui représente finalement le grand savoir-faire de l'entreprise Groslot. Et ce segment-là, il représente pareil, si je calcule bien, 10-15% pareil? Alors, absolument, voilà. Le segment industrie représente 10-15% et il est plutôt stable actuellement. C'est vraiment la partie énergie verte avec des bandes de recharge et le secteur télécom qui va grossir. Et on a déjà commencé des démarches à l'export pour pérenniser cette croissance, puisque une fois que la France sera équipée, il faudra aller voir ailleurs et taper chez le voisin. Chez le voisin, voilà. Sur les différents segments que nous avons évoqués, est-ce que vous êtes leader ou pas, leader français? Alors, leader... En gros, ma question est la suivante. Est-ce qu'il y a la concurrence? Non, il y a la concurrence. Il y a la concurrence. On n'est pas leader. Sur la partie urbain, on a à peu près 50% de part de marché. Et en fait, on est vraiment leader dans la partie aluminium. On n'a pas vraiment de concurrence sur les armoires urbaines pour l'éclairage public. Sur le télécom, on est quand même plusieurs à batailler pour obtenir le marché, qui est un gros marché. Dites-moi, vous êtes, parce qu'on ne l'a pas, on l'a pas évoqué, vous êtes combien aujourd'hui, en 2020, sur le site de Montillé, au sein de l'entreprise? Alors, Groslot. Sur le site de Montillé, on est 200 personnes. Il y a globalement 120-130 opérateurs. Et après, il y a 70 personnes qui font marcher l'ensemble de la société, le bureau d'études, les commerciaux, les devis, le planning. Vous n'avez qu'un site en France? On a qu'un site en France. Et depuis toujours, alors même si le site il est divisé en deux, ça c'est historique et lié à l'activité, une partie où on fait la partie tôlerie, où on vient prendre la tôle, la plier, la souder, la peindre, et une partie assemblage où on vient câbler et tester le produit. Est-ce que dans les prochains mois, est-ce que régulièrement vous cherchez des nouveaux profils, des nouveaux collaborateurs? Alors, on est toujours Alors, c'est un peu moins présent que les dernières années, parce qu'on a fait quand même pas mal de formations et de liens avec Pôle emploi sur Cholet. On cherche toujours une dizaine de personnes sur la partie production, et on a le même sujet sur la partie support, où on cherche des techniciens maintenance, des techniciens ELEC, pour pouvoir accompagner nos clients et faire de la maintenance aussi, parce que dans nos prospections, on a parlé un peu d'export, mais aussi on veut faire du service pour pouvoir accompagner nos clients dans la maintenance, dans la remise à jour d'équipement, pour être en permanence à côté de nos clients. Laurent Marbat, quelle visibilité vous disposez ici, pour le carnet de commandes 2020, comment vous voyez les choses? Quelle visibilité vous avez? Alors, on est sur un rythme de croissance qui était relativement important ces dernières années, puisqu'on était entre 20 et 30%. Là, on va faire une année à 35 millions. On voit 38 pour l'an prochain, donc on a une bonne visibilité. Alors, c'est vrai que pour une PME, voire à 3 ans, c'est compliqué. Aujourd'hui, le carnet de commande, sur 6-8 mois, il est bouclé. Donc, on est plutôt serein et c'est pour ça qu'on continue à embaucher. Et on a le projet de faire une extension et d'agrandir de 2500 m² la partie assemblage. Un grand merci, Laurent Marbat. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. On a encore plein de choses à se dire, mais il va falloir laisser du temps au second interlocuteur. Un grand merci. Merci de nous avoir reçus. Et puis on se retrouve, chers téléspectateurs, dans quelques instants. Oui, comme convenu, on a fait quelques mètres pour la deuxième interview, mon deuxième interlocuteur. Il s'agit de Damien Perraudeau. Merci infiniment d'être avec nous. On est ensemble juste pendant 5 minutes, il va falloir aller vite. Je vous présente, vous êtes responsable des ressources humaines ici au sein de l'entreprise Groslot. Une mission que vous faites, du moins vous avez intégré la société il y a 20 ans. Exactement. C'est les opportunités de la vie qui vous ont emmené ici?
Oui, dans un premier temps, j'ai voulu me rapprocher de ma conjointe qui travaillait dans la région. Et donc, du coup, j'ai eu l'opportunité de commencer comme comptable chez Groslot. Et puis, de fil en aiguille, vous avez monté un petit peu exactement, j'ai accompagné échelons. La croissance en fait, de l'entreprise. Et du coup, je suis maintenant responsable ressources humaines. Je gère aussi le RSE. Donc, tout va bien et Groslot se porte bien. Donc, tant mieux pour vous. Parlons un petit peu, de manière plus générale, parlons de l'image de l'industrie qui, effectivement, ces dernières années, ne jouit pas forcément d'une bonne image auprès de la nouvelle génération. Vous, Groslot, je sais que vous êtes très impliqué là-dedans. Vous essayez de changer les choses de par des partenariats avec l'agglomération, du Choletais, avec Pôle emploi, avec des écoles. Voilà, comment ça se traduit quotidiennement sur le terrain pour vous, pour Groslot? C'est vrai que l'industrie, on n'y pense pas, je dirais, naturellement, pour venir travailler dans des entreprises comme la nôtre. On a commencé, je dirais, chaque année, on va faire des présentations de métiers dans les collèges, donc que ce soit général ou même des métiers plus précis. Et on essaie au maximum de les faire venir pour qu'ils comprennent et qu'ils voient qu'est-ce qui se passe dans de l'intérieur. Parce de que l'intérieur, exactement. On comprend mieux, effectivement. Voilà, donc là, on commence sur les collèges, 4e, 3e. Ça peut leur dessiner leur parcours futur. Et puis après, on travaille, je dirais, sur les demandeurs d'emploi actuellement. On a même fait une opération avec Pôle emploi Cholet et l'agglomération du Choletais. Nous sommes allés sur l'île de France, à Versailles exactement, où on a fait une opération séduction pour présenter la région, présenter les emplois et l'entreprise. Et dans un deuxième temps, on les a fait venir ici pendant une semaine en immersion pour la découverte du bassin et puis des entreprises avec 2 jours d'essai en fait sur des postes qui pouvaient leur correspondre. Dites-moi, Damien Perraudeau, est-ce que ces opérations séduction fonctionne? Alors, je ne parle pas forcément de Groslot, je parle de l'industrie française. Est-ce qu'il est difficile de casser les idées reçues? Et donc, aujourd'hui, le marché de l'emploi est tendu. Donc, entre deux métiers, on ne se porte pas forcément vers l'industrie. Sur l'opération que je vous parlais, on a eu une réussite. Une personne qui est encore chez nous et qui a déplacé sa famille sur Cholet. Donc, chaque opération, s'il y a un recrutement à la fin, pour nous, c'est une réussite. On a mis en place aussi plein d'autres choses. On a mis dans Montilly une banderole. Groslot recrute et forme ses opérateurs. Donc ça nous apporte quelques candidatures. On a aussi mis en place en interne le parrainage. C'est-à-dire qu'un salarié qui embauche, qui propose quelqu'un qui connaît de sa famille en CDI, touche une prime de 300 euros. Du coup, vous parliez en interne. J'en profite, je rebondis parce que je voulais le placer. Vous avez fêté vos 70 ans, vous avez ouvert vos portes aux familles, visiblement. C'est une opération séduction, comme vous le disiez, je reprends votre terme, qui a bien marché. Oui, tout à fait. C'était le 18 janvier. C'est vrai que certains salariés nous le demandaient naturellement. On savait que ce n'était pas si simple à organiser. Mais du coup, on a fait appel aux volontaires. Il y a 45 personnes qui sont passées, qui ont travaillé ce jour-là, le samedi matin, de 9h à 17h. Et les gens étaient vraiment ravis, contents. Les salariés parlaient avec leur cœur et donc ça, c'était beaucoup d'émotions et même aussi avec les retours qu'on a eus de personnes qu'on ne connaissait pas, soit par des mails, soit par des courriers vraiment personnalisés à Groslot. Donc du coup, les portes ouvertes, c'est quelque chose que vous gardez dans un coin de votre tête et que vous pourriez réitérer très prochainement, tous les 2 ans ou quelque chose de très pérenne. Oui, on n'a pas encore fixé vraiment le délai, mais c'est à minimum tous les 2 ans, peut-être plus, parce que ça commence à faire, entre guillemets, c'est petit, et on entend autour de Montilly des gens qui disent « Ah, moi, j'aurais bien voulu visiter ». Ce sera pour la prochaine fois, si vous nous écoutez. Sur l'exercice 2000.